Et sinon, c'est comment? Ça va, et toi? Je suis là. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Pourquoi on se voit toujours dans le sous-quartier? Ah, chérie, tant tu connais mon père, tu connais comme il est compliqué. Si tente de nous voir ici, nous sommes morts. J'ai même préféré la route parce que c'est pas la route principale. Quand c'est la route principale, il peut sortir à tout moment. Mais ici, là, quand même, nous sommes assis. Donc, je préfère ici. Ok, d'accord. Mais tu es toujours en train de parler de ton père, on dirait que c'est un monstre. Ah, c'est parce que tu le connais pas. Tu le connais vraiment pas. C'est pas un monstre, c'est juste qu'il est trop protecteur, ça me fatigue. Au fond, c'est aussi quelqu'un de gentil, de très bien. N'est-ce pas? Et... Tiens, on te sent mettre ma fille. Attends un peu, Kiara, ça c'est qui? Kiara, ici! Ça c'est qui? C'est qui ça? Donc quand je ne suis pas là, c'est la vie que tu mènes. Hein? Tu es avec un vulgaire, gougnafier, un idiot de ton espèce. Tu es malade? Tu fais quoi? Tu fais quoi avec ma fille? Tu fais quoi avec ma fille? Tu fais quoi? Pour causer de quoi? Et toi de beau? Pour causer de quoi? Qu'est-ce que tu peux bien avoir à dire à ma fille? Pardon, pardon, hein? Pardon, pardon. C'est mon ami du quartier, pardon. Donc je fais son éducation, toi tu l'as défait. Non. C'est ça là? Non. Hein? C'est ça? Hein? Tu es malade? Hein? Tu es malade? Pardon, pardon. Dégage d'ici très vite. Allez, très vite. Et toi tu me verras. Et c'est qui ça à la fin? Merde. Toi tu vas me voir. Tu vas me voir. Et c'est qui ça à la fin? C'est qui ça? Très vite, place-toi là. Je dis, hein, attends un peu, qu'est-ce que je viens de voir là? Donc c'est la vie que tu mènes? Kiara, c'est la vie que tu mènes? Non. Dès que je sors, tu t'en vas t'asseoir avec les garçons, c'est ça? Non, papa, c'est pas ça. Je peux savoir ce que tu faisais là? Et avec qui tu étais? Papa, je causais avec mon ami. Mon Dieu, ton ami? Un ami qui t'embrasse sur la bouche? C'est ça ton ami? Hein, dis-moi un peu. Un ami qui t'embrasse sur la bouche? Mais c'est quoi ça à la fin? C'est la vie que tu veux mener au quartier? Je fais tout. Hein? Je consacre tout mon argent pour ton éducation. Et toi, tu es là. Donc, dès que je sors, madame descend, elle s'en va s'asseoir avec un vulgaire voyou. Elle fait du n'importe quoi. C'est ça, là? Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Les gens diront quoi? Hein? Ta mère dira quoi demain si elle apprend ça? Toi-même, tu sais que dernièrement, on était aux affaires sociales, non? Hein? On a dit que tu viendras passer des jours avec moi et des jours avec elle. D'où vient-il donc aujourd'hui que tu commences à faire ça? Quand tu fais ça, est-ce que tu sais qu'on peut retirer hein, mon droit de garde? Et demain, tu vas partir, je ne serai plus jamais avec toi. Tu le sais? Hein? Tu es là, tu portes des choses comme ça sur la tête. Ou c'est quoi? C'est une perruque ou c'est quoi? Regarde, regarde les choses que tu portes. Quand je suis là, tu ne les portes pas. Mais il suffit que je parte. Donc tu as des choses comme ça. Hein? Une petite fille, regarde-toi. Regarde comment tu es habillée. Comme une vulgaire dévergondée. Tu es là à traîner avec les voyous du quartier. Des fiefés gouignafiés. Scougnagneux. Mon Dieu. Mais c'est quoi ça à la fin? Je veux encore voir ça. Tu sais quoi? Dès aujourd'hui, tu es privé de sortie. Ce que tu vas faire, tu vas rester dans ta chambre. Tu vas entrer là-bas. Et si jamais je reviens, je te trouve seulement dehors. En train de flâner. Tu vas me voir. Entre là-bas. Entre là-bas, très vite. Tu m'adresses à qui? Entre là-bas. Entre là-bas. C'est qui ça? C'est qui ça à la fin? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu es malade ou quoi? Tonton Simon! Tonton Simon! Tonton Simon! Il rend les jambes. Ok. Toi, tu déranges. Tu me déranges, je vais me déranger après une différence. C'est quoi? Tonton était avec ma copine que tu connais, la Kiara. Mmh. Mais ça me parlait souvent de son père, tonton. Le type là m'a déjà tapé là-bas. Il dit qu'il est costaud comme le bâtiment. Le type n'est plus qu'un animal. Quand il me parlait souvent de lui, il n'acceptait pas. Je suis sûr que même Gamou ne peut pas arracher au nul avec lui. Hey. Je te dis. Office, viens ici. Je t'ai toujours dit que quand on aime une fille, on se sacrifie pour elle. Hein? Tu dois affronter son père. Si tu fuis comme ça, tu vas perdre les points. Il n'est pas plutôt considéré. Donc toi, c'est parce que tu ne l'as pas encore fié. Tu dois l'affronter. Tu dois lui dire qui tu es en réalité. Je t'avais dit que ton raccourtement des voyous, si va finir par te mettre dans les poubelles. Regarde maintenant. Hein?
Regarde. Tu dois aller là-bas. Tu dois l'expliquer. Terre à terre. C'est un homme. Tonton, non. C'est quoi tout si tu veux ma mort? C'est quoi type là m'a tapé les brutales, je te jure. Tu connais la bite? Oui, je connais la maison. Elle m'a déjà montré la maison à distance quand même. Je connais la maison. Ok. Tu parlais là-bas, non? Non, tonton, il ne peut plus. Bon, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Tonton, il dit que le type est comme le bâtiment. C'est un animal. Tu n'as pas confiance à moi? Hein? Tu n'as pas confiance à moi? J'ai confiance à toi. Hein? Allons-y. Tonton, ah non! Tu parles devant nous. Tu parles devant, c'est pas. Pourquoi tu vas dans la maison? Hein? Je vais mourir pour toi. Ici, toi, bon, ici, tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. Attendez, tu es revenu ici. Oh, attendez, grand frère. Tu poses tes mains sur moi. Vous ne résout pas. Tu poses tes mains sur moi. Attendez. Attendez. Tu es revenu faire quoi ici? C'est toi qui détourne ma fille. Une mineure comme ça. C'est toi, à cause de toi. Ça va, essayez. Qui se retrouve dans les quartiers en train d'être assise partout. Je vous ai demandé de ne pas me toucher, non? Ne me touchez pas. La colère ne résout pas les. Vous êtes qui pour me donner des conseils? Vous êtes qui? Moi, je suis son oncle. Ah, vous êtes son oncle. Ah, ça voudrait dire que c'est vous qui lui a inculqué cette éducation-là. C'est vous qui lui a enseigné cela. C'est ça, non? Non. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça, la fin? Attendez d'abord. Attendre quoi? Asseyez-vous. Mais ça, pourquoi? C'est vous qui me donnez des ordres chez moi? Non. Hein? Ouais. Merde, c'est quoi ça? Je vais m'asseoir. Il n'y a pas de problème. Oh, venez, viens. Je m'assois, je vous écoute. Parlez, je vous écoute. Est-ce que la colère règle quelque chose? Hein? Ouais. Viens alors ici. C'est comment? Toi, tu es même comment? J'espère que tu n'es pas venu me donner des leçons ici. Vous êtes venu faire quoi ici? Ouais. C'est quoi ça? C'est quelle éducation ça? Donc tu as laissé toutes les filles là. La seule fille que tu as vue, c'est la mienne. La mienne. La fille de Roble Grizzly. C'est celle que tu as vue. La colère ne résout pas les choses. Ça me va s'asseoir là. Donc quand je ne suis pas là, c'est ce que tu fais. Le père comptait venir vous voir. C'est juste que vous, que fille m'avait dit que vous êtes un peu agressif. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu depuis. Mais je comptais le faire. Je ne suis pas voyou, je suis ingénieur en télécom. Franchement, moi j'aime beaucoup fille. Vous êtes quoi? Ingénieur en télécom. Ingénieur en télécom, hein? Télécommunication de jour ou télécommunication de nuit? Je peux savoir? Hein? Le jour. Donc tu veux me faire croire que ton apparence physique là, c'est seulement physique, que dans la tête là, il y a quelque chose. En tout cas, est-ce qu'il y a un problème? Tu dis que tu es ingénieur, non? Ça c'est ton souci là-bas. Moi, Roble Grizzly, j'avais dit ceci. Tout homme qui va se décider, qui va se pointer devant moi pour dire, je veux ta fille. Tout homme qui viendra avec cette idée en tête, devra d'abord me mettre le dos au sol. Hey. Ça veut dire me battre. Pour prendre ma fille. Alors si tu sais que tu as l'étoffe, si tu sais que tu as cette étoffe là, que tu es capable de me mettre le dos au sol, de me battre, tu vas devoir partir. Je te donne 2 semaines. Tu t'en vas, tu t'entraînes, tu reviens me battre. Et si tu me bats, je te donne ma fille.
Et c'est que j'ai répondu, maintenant vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir, j'ai dit de partir. Vous faites quoi là? J'ai dit de partir, allez-y. Partez. Tiens-la. Tiens-la. Viens ici. Merde. Reste un peu là. Tourne-toi un peu. Et dis, hein. Ton petit abcès là, je dis, tu n'as... Dis-le, entre là-bas, entre. Merde, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, la fin? En tout cas, je suis là. Même sorti, je ne sors pas. Je serai là pour toi. Kiara, je suis quoi pour toi? C'est mon père. Est-ce qu'il te manque quelque chose ici à la maison? Non, papa. Je te fais tout. Tu es heureuse? Oui, papa. Regarde-moi, ma fille. Regarde-moi. Dis-moi un peu, sincèrement de toi à moi. Dis-moi la vérité, dis-moi toute la vérité. Tu es encore vierge? Papa, c'est qu'il y a des questions, ça. Tu ne comprends pas cette question-là. Je demande si tu as déjà été déviergée. Tu connais déjà les hommes? Non, papa. Qui t'a montré qu'on peut embrasser un homme sur la bouche? Si quelqu'un a pu te montrer ça, ça veut dire qu'il est allé plus loin. N'est-ce pas? Mm-mm. Kiara, dis-moi la vérité. Tu fais déjà l'amour? Non, papa. Tu couches avec les hommes? Mm-mm. Hein? Tu ne veux pas me dire la vérité? En tout cas, ce n'est pas grave. J'ai tous les moyens. Tu sais que je suis un Bantou. Et chez nous, les Bantous, nous avons des choses qui peuvent nous démontrer qu'une fille connaît déjà l'homme ou qu'elle ne connaît pas déjà l'homme. Tu vas faire simple. Hein? Tu vas là. J'ai laissé une pièce sur la table là. Sauf si tu as un peu d'argent sur toi. Tu as quelque chose là? Non, papa. Tu n'as rien. Tu prends une pièce d'argent là. Tu vas rapidement à la boutique. Tu me prends un œuf. Je vais vérifier si tu es encore vierge ou pas. Lève-toi. Vas-y.